De personnes connues, inconnues, des êtres humains qui ont osé créer leurs rêves, oser être eux-mêmes, ouvrir les cadeaux que leur offre la vie et surfer sur la vague. Aujourd'hui, nous nous envolons, nous envolons encore une fois au Canada, où j'ai l'immense honneur de recevoir François Lemay. Alors, François Lemay, pour ceux qui ne le connaissent pas peut-être, c'est un passionné de la vie et des lois du vivant. Et bien au-delà de ces titres qui le définissent comme coach, conférencier, enseignant et guide spirituel, il se qualifie d'abord et avant tout comme un véritable chercheur des causes d'une vie pleinement épanouie et prospère. Auteur de deux best-sellers, on lui attribue aujourd'hui la philosophie du Tout est parfait. Ses enseignements et découvertes des lois du vivant sont partagées partout au travers du monde, dans plusieurs langues, et s'adressent à tous les gens qui cherche à vivre une vie pleine de sens et de conscience. Reconnu pour sa grande capacité à transmettre ses connaissances avec simplicité et beaucoup d'humour, François Lemay se donne comme mission de vulgariser au maximum les perles de sagesse afin d'éveiller les consciences et permettre aux gens de reconnecter à leur nature profonde. Mais avant de se déployer pleinement, il a eu le privilège, dit-il, de faire un burn-out. Avant, son activité pro était entrepreneur paysagiste, où, dit-il, je me suis perdu. Il va nous inspirer à sa transformation et son univers. Et il dit une phrase auxquelles je suis à fond d'accord qu'à la paix et là, la santé y sera aussi. Bonjour François. Bonjour, quelle belle présentation Merci beaucoup de l'invitation, c'est un plaisir d'être là. Je suis très honorée et je pense que tu vas beaucoup nous inspirer. Alors, moi, la première question que je pose à tous mes invités, j'invite envie de te dire qu'est-ce qui s'est passé d'entrepreneur paysagiste à coach conférencier, ouais. de best-seller C'est quoi ton oui, c'est possible, François En fait, comme tu l'as dit dans la, la, la présentation, il y a un burn-out qui s'est produit au travers de mon expérience, de mon chemin de vie à moi. Et ce burn-out-là, pour moi, a été une perte de sens, de repère, de, de... et c'est parfait, ça, c'est venu briser des schémas, des patterns, comme on dit ici au Québec. Et, et, et c'est devenu une possibilité, en fait, mon oui, c'est possible, c'est là, de se réinventer et ça a passé pour, par moi par un éveil de conscience, un, 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 un moment où est-ce que j'ai sorti un peu du pilote automatique que. Ma famille, la société, mon, mes amis, mon, mon connu m'avaient partagé en cours de route pour m'éveiller à ce monde de possibilités et, euh, et, et, et qui commençait à l'intérieur de moi si j'étais prêt à faire un travail d'introspection. Donc, euh, effectivement, j'étais entrepreneur paysager. Je me plais à dire qu'avant, je faisais de l'aménagement euh, extérieur et aujourd'hui, je me plais à faire de l'aménagement intérieur, et des gens à faire du ménage à l'intérieur d'eux pour transformer leur extérieur. Donc, euh, c'est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de synchronicité et de magie, tout ce grand chemin-là. Et aussi de souffrance. Ça fait partie du jeu, tout ça. Et euh, ça a été quoi le déclic pour te dire bon, je lâche ma première entreprise puisque tu étais ouais. entrepreneur et ouais. je, dans, euh, euh, je me lance dans ouais. l'accompagnement. Je me forme pour être coach. Ça a été quoi Parce que tu avais ouais. plein de, de panels de possibilités, en fait. Euh, oui, j'avais plein de possibilités, mais en fait, c'était. C'est vraiment une perte de sens pour moi. Puis, dans cette perte de sens-là, je suis tombé dans, des, dans, dans la potion magique du développement personnel, si on peut dire. Puis, pour moi, ça a été un éveil en, et ça a été un, éveil, un choc et une injustice, même à la limite, de dire mais pourquoi qu'on ne connaît pas ça? Pourquoi, moi, j'avais 28 ans à ce moment-là, pourquoi que je ne connais pas ça? Pourquoi personne ne m'a ça? Pourquoi ce n'est pas accessible pour tout le monde? C'est ce que je percevais à ce moment-là de mon existence. Donc, pour moi, ça a été beaucoup un, une incohérence, un choc. Et ce choc-là m'a forcé, me, 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 me donné le désir d'aller puiser, d'aller chercher les, les causes de mon bonheur. En fait, en fait à ce moment-là de ma vie, je cherchais le succès. Donc, je ne cherchais pas la pleine épanouissement, je ne cherchais pas à incarner ma spiritualité, je ne cherchais pas à me purifier, à me libérer, je cherchais les causes du succès dans un but de faire de l'argent. Donc, ça a été beaucoup mon, 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 mon intention, mon désir au départ, et c'est parfait. Et, euh, et jusqu'à ce que ben, tout ce cheminement-là m'emmène à une introspection, à regarder à l'intérieur de moi, à m'ouvrir à cette grandeur qui est à l'intérieur de moi. Et, euh, et ça, ça a été un, une reconnaissance, peut-être, un, 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 c'est comme si je me rappelais, je commençais à me rappeler qui j'étais profondément, qui j'étais vraiment, pour quelle raison j'étais venu, venu ici et ce chemin-là, mais aussi encore aujourd'hui ce chemin-là que je cultive. Hein, donc, ça a été le grand déclic, c'est le, le jour où j'ai commencé à tourner mon regard, mais vraiment à l'intérieur et non dans un livre, dans une formation, dans une certification, dans un devenir mais plutôt à apprendre à, à tourner mon regard et me rendre compte que finalement, tout est déjà là, qu'il ne manque absolument rien. Et c'est le chemin qu'aujourd'hui, je cultive encore et que je partage avec plein de personnes, en fait. Et du coup, cette envie justement de le partager, une fois que tu as été à l'intérieur de toi, que tu as fait ton introspection, ton cheminement personnel, moi j'appelle ça. Donc, tu as voulu l'offrir au monde. Oui. Qu'est-ce comment que tu comment as, qu -ce, qu -ce as mis en place au début? Ouais, en fait, j'ai décidé de, de vouloir donner des conférences parce qu'à ce moment-là, on retourne, ça fait 10, euh, combien 15 ans de ça déjà, euh, à ce moment-là, mais euh, ce n'était pas sur le web accessible comme toi, tu es en train de le partager aujourd'hui ou comme moi je le partage, hein, parce que l'Internet n'était pas rendu à ce niveau-là, la connaissance, la pleine conscience, les en, ces enseignements-là, l'information ne circulait pas comme elle circule aujourd'hui. Donc, moi, les modèles que j'avais, c'est des modèles de gens qui avaient écrit des livres. Donc, euh, peut-être Tolle, Wayne Dyer, euh, Anthony Robbins, Jack Kenfield. Euh, C'était tous des gens qui étaient dans le, le, le domaine à ce moment-là et qui étaient aussi conférenciers. Donc, moi, je, le modèle que j'ai eu, c'est des modèles de conférenciers et j'ai eu un désir de vouloir faire ça. allé suivre mon parcours de coach. En programmation neurolinguistique parce que je croyais que ça prenait ça pour être légitime et faire le, le chemin que j'avais à faire. Et euh, c'est une chose de regarder en soi, mais ça ne veut rien dire ça, ça, dans le sens que le, le challenge, c'est de se purifier, de se libérer, d'apprendre à se comprendre, puis après ça, d'aider les gens. Eh, il y a un monde entre les deux. Et souvent, le coach, le conférencier, l'assistant, le guide, celui qui accompagne, il va bien souvent oublier que son chemin à lui, il doit continuer de le cultiver. Sinon, il se perd littéralement entre le monde intérieur et le monde extérieur. Ça a été aussi mon cas. Et c'est encore mon cas, ça m'arrive encore. Donc, j'ai eu mon lot de contractions, j'ai fait des conférences qui ont été des flops monumentales, qui n'ont pas fonctionné, j'ai pleuré sur la scène, mais c'est à coup de... D'essais, erreurs, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à me maîtriser. Et aujourd'hui, aujourd je, je, je comprends tellement, je m'incline tellement devant la vie. Avant, c'était du développement personnel beaucoup pour moi. Et aujourd'hui, c'est plutôt apprendre à me syntoniser avec la vie, à danser avec la vie, à m'incliner face à la vie, à honorer la vie qui coule à l'intérieur de moi. Donc, c'est une quête constante finalement et, et de me mettre en phase avec le vivant. Et, euh, et, et ce n'est pas un endroit où est-ce que je veux atteindre ou ce que je veux devenir, que je veux, devenir que je veux parvenir, comme au début de, de, de ma croissance, mais plutôt qu'est-ce que la vie est en train d'essayer de faire à travers moi en ce moment, qu'est-ce que la vie est en train de m'enseigner, sont euh, dans, dans quelle perspective ou perception j'ai besoin d'apprendre à purifier mon, es mon esprit, à me libérer de, de ce que je crois que la vie est. Ma danse est totalement différente aujourd'hui. C'est trop beau ce que tu dis. <laughs> Vraiment très très beau et du coup tu as parlé un petit peu de, de, de tes challenges quand tu t'es retrouvé euh, ben, tout seul euh, en conférence, que ça n'a pas forcément été le, le top euh, de, quand tu es au tout début ouais. est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns aussi, des, des, des flops aussi parce que c'est vrai que quand on commence et je suis bien placée pour le savoir comme tu dis, au départ, on y est, on y va, on croit que ça y est, ça va être là, euh, comment dire, là, on nous attend presque, ouais. et qu'on a tellement envie, entre guillemets, de faire le rôle du sauveur, il faut quand même aussi le, se le dire, ouais. euh, euh, que ben, les gens ou les personnes vont euh, nous écouter. Et c'est vrai que quand, sais euh, quoi, ben, ça fait, euh, voilà, on se plante un peu. Hein, notre ego est là et on se dit, bon, allez, je vais arrêter, voilà, c'est du vécu en plus, donc je sais ouais. ce que... Comment, tu, comment toi, as fait dans ces moments-là pour dire, allez, on continue Ouais. En fait, pour moi, et aujourd'hui, c'est devenu une évidence, si je ne suis pas branché à ce, ce maître intérieur, si je ne suis pas branché à ce souffle de vie... Je perds la foi, je perds la conviction, je perds la confiance et j'essaie de faire ma place et, et ce c'est pas ce comment je vais expliquer c'est pas ce François là qui va avoir un impact dans le monde ce François là va être en manque en survie veut être vu veut être reconnu il veut partager son message mais lui il est dans une vibration de manque le moment où est-ce que je suis en posture ah, là, on, va, on va mettre des mots là, de la source du chi, de Dieu à l'intérieur de moi, de mon âme. À partir de ce moment-là, mais le souffle, il est facile à suivre. Et c'est ça qui, je peux dire en parenthèse, qui m'a sauvé parce que j'ai eu beaucoup envie d'abandonner plusieurs fois. J'ai eu des challenges financiers au travers de tout ça. J'avais investi dans plein de formations. je dépensais beaucoup. j'étais il, il y avait plein de raisons pour lesquelles j'aurais abandonne, pu abandonner. Mais la, la, le, le souffle de vie qui passait à l'intérieur de moi était tellement grand, était tellement fort qu'il m'a permis de persévérer. Mais j'ai eu des, euh, des échecs sur les scènes, sur la scène en, en, en donnant des conférences, en pleurant devant plein de personnes, en étant décousu, en perdant mon texte. Mais le nombre de fois que j'ai essayé de, de, de lancer une formation et que je louais des salles et que j'ai eu besoin de. Appeler la salle puis canceler parce que je n'avais pas personne qui se présentait à mes formations. Ben, d'après moi, j'ai au moins 20 fois que j'ai fait ça. Là. Au moins 20 fois. Aujourd'hui, je suis privilégié parce que je lance quelque chose, pouf, ça se transforme en or. Hein? J'ai comme peu importe ce que je vais lancer, si je me mets à vendre des bouteilles d'eau ici aujourd'hui et je mets ça sur mon site, on en vend plein, je fais des formations, on en vend plein. Mais il y a eu un monde avant tout ça. Hein, J'ai eu besoin de venir me, me purifier, de venir me guérir, de venir m'incliner, d'apprendre à, à gérer mon anxiété, mes peurs, mes suppositions, à trouver la paix à l'intérieur de moi, puis à, à laisser passer ce qui veut passer à travers moi, donc quelque chose qui est plus grand que moi. Donc, ça fait partie du jeu aussi, c'est pas, pas on le piège, c'est de dire je vais me réaliser quand je vais être rendu là. Ouais. Et, 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 et en fait, je me suis rendu compte, moi, en cours de route, c'est qu'on n'y on arrivera jamais. Donc, il n'y a pas. Tu sais, c'est la hauteuse qui est un grand sage qui, pour moi, est un modèle parce qu'il est vraiment en alignement avec ma façon de percevoir la vie, qui dit le vrai voyageur n'a pas de, de plan établi et n'a pas l'intention d'arriver. Waouh, ça, c'est totalement différent de beaucoup de choses que j'ai apprises en développement personnel en grandissant. Le vrai, le véritable voyageur n'a pas l'intention d'arriver il n'a pas de le plan, le plan établi. Ça ne veut, veut pas dire qu'il n'a pas de direction. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de, de, de sens, mais il y a pas l'intention d'arriver à quelque part. Et la majorité de nos souffrances, c'est quand qu on, 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 on se vit et on aimerait ça, être totalement dans un endroit différent, être arrivé à une autre étape de notre vie. Ça, c'est la souffrance. La différence entre qu'est-ce qu'on vit et qu'est-ce qu'on aimerait que la vie soit. Donc, si on vit notre vie avec... avec la, 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 la philosophie, la perception que la haute partageait, c'est-à-dire de ne pas avoir l'intention d'arriver, il nous reste à savourer le voyage, à s'incliner devant la vie. Et moi, j'ai compris ça dans les probablement deux dernières années. D'accord, ok. Donc c'est tout frais finalement. Ah, c'est tout frais. Et c'est tout frais, c'est encore à cultiver, c'est encore à m'observer pour ne pas être vigilant des désirs de vouloir. Que la vie soit autrement. Et c'est un art, c'est un art. Ça nous demande résilience, ça nous demande détachement, ça nous demande euh, de danser avec la vie, d'arrêter de vouloir contrôler le plan. Et tu et, euh, et, et, sais que j'ai parlé de la, de la haute sœur, mais moi, mes grands enseignants, mes mentors, c'est la haute sœur, c'est Bouddha, c'est Jésus, Jésus c'est Einstein, mais le, 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 le numéro un, c'est la nature. Et la nature, elle nous enseigne ça depuis tout le temps être en cohérence, être en phase avec les expansions, les contractions. Que la nature, c'est le plus beau modèle de prospérité qui soit. La nature, c'est la paix. La nature, c'est la régénération. La nature, elle est complète. Alors maintenant, pourquoi ne pas essayer à devenir, à, on appelle ça du biomimétisme, modéliser la nature? au lieu de modéliser euh, au, 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 Obama, Oprah, Winfrey, des, des, des êtres humains qui distorsionnent, qui font de leur mieux, mais qui distorsionnent. Pas, pour, 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 pourquoi ne pas revenir au modèle, au plus grand modèle de prospérité qui soit, qui est la nature. Et moi, c'est dans cette direction-là que je marche. Depuis longtemps, mais je te dirais que depuis probablement deux ans, ah, c'est focus à essayer de modéliser, puis de de craquer, je ne sais pas si ça se dit, mais de craquer le code, de craquer la nature, voir euh, de quelle façon je peux appliquer ça à l'intérieur de moi, dans mes relations, mais dans mes finances, dans ma business, dans tout ce que je fais finalement. Les lois du vivant. C'est ça. Mais en fait, oui, c'est vrai que si on va dans la nature, déjà, ne serait-ce que simplement, il y a des saisons, ouais. l'été, l'automne, l'hiver, et moi, je suis toujours... Euh, quand euh, les feuilles tombent à l'automne, est-ce que l'arbre, il se met à pleurer parce qu'il a perdu ses feuilles? Mais non. Eh bien, non, il n'a pas pleuré. Il sait qu'au ben, printemps, il aura de nouvelles feuilles euh, sur, euh, sur ses branches et puis que ben, ça repartira, quoi, c'est cycle. Oui, et euh, il est convaincu, c'est dans sa nature profonde et dans une foi absolue, il s'abandonne au processus. Nous, ça. le challenge avec notre être humain, je ne l'ai pas à côté de moi, mais souvent, j'enseigne en, avec un petit humain, un petit virus, mais souvent, notre challenge, c'est que nous, le, le petit humain, la personnalité, l'ego, nous, on veut contrôler la direction de la vie, on veut contrôler le vivant au lieu de se laisser traverser par la vie. C'est là la grosse différence. Et c'est pour ça que la méditation, l'introspection, créer l'espace en soi fait toute la différence. Sinon, on fait juste cultiver le mental, l'intelligence, et ça se limite énormément. Exactement. Alors, tu veux parler du mental? Oh, vite fait, euh, est-ce que tu pourrais nous parler? Justement, euh, du mental, de l'ego, de la pleine conscience qui sont vraiment ta, ta patte, comme on dit en France, qui est vraiment ouais. ce, que tu, ce que tu transmets avec ton cœur. Est-ce que tu pourrais nous en parler Allez, deux minutes. Ouais. C'est vite ouais. fait. En fait, la pleine conscience, premièrement, c'est pas ça ou ça, c'est ça. Et ça, donc la pleine conscience, elle est inclusive. Une des grandes causes de souffrance, c'est le moment où est-ce qu'on se sépare. On se sépare de l'humanité, on se sépare de, euh, de, de des perceptions. Ça veut dire qu'on s'isole dans une, une façon de voir la vie au lieu de comprendre que c'est un point de vue. Alors la pleine conscience va nous permettre de prendre de la hauteur sur notre façon de vivre la vie. Et se remettre en question sans auto-sabotage, sans culpabilité, mais plutôt se dire est-ce que ma façon de vivre et de percevoir le vivant me permet de me réaliser pleinement Et la pleine conscience va aussi nous permettre de dire à quoi ressemblerait la vie si je me réalisais pleinement Parce que la façon de te réaliser à toi n'est pas la même façon de me réaliser à moi. Il y a une source qui passe à travers nous. Pour moi, ma perception, c'est. C'est Dieu, c'est l'énergie, c'est le souffle de vie qui passe à travers nous. On est tous issus du même souffle de vie, mais on vibre tous, on vibre tous à des fréquences différentes. Et la pleine conscience nous permet de regarder en soi à quoi vibre mon âme en ce moment, à quoi vibre ma véritable nature et quel est le besoin du moment, parce qu'on est tous dans une une phase de notre évolution, non seulement de notre petit mental, mais de notre, de, on appelle ça le Dharma, de la purification de l'être. On est tous dans une phase différente, donc on n'a pas à se comparer avec les autres, on a à apprendre à se connaître. À, 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 à s'incliner devant la vie en soi puis à se dépouiller. C'est le grand jeu de la vie et c'est là que la pleine conscience va nous aider. Au lieu d'être dans un, au début de mon cheminement, j'étais dans un processus de devenir. Donc, je voulais muscler la personnalité, je voulais devenir avec un mindset d'excellence, je voulais acquérir, je voulais posséder et c'est correct, ça fait partie de l'existence et du chemin aussi. Et, et jusqu'à temps qu'on se rend compte que finalement, tout ça, c'est génial. Mais quand tu y touches, quand tu y atteins, que ce soit 10 000 euros, cent mille euros, un million d'euros, euh, le succès ou quoi que ce soit, quand tu l'atteins, c'est what's next? Quoi d'autre? Donc, on est toujours en train de courir après quelque chose jusqu'à temps qu'on se rende compte que finalement, tout est déjà là à l'intérieur de nous. Le bonheur, c'est tout simplement une perception, une façon de percevoir le vivant. Et pour moi, dans la pleine conscience, me permet de tomber. En amour avec la vie, le vivant qui tourne qui, qui, qui passe en nous, et d'apprendre à être en phase avec la vie, donc de danser avec la vie. Et en étant en phase et en dansant avec la vie, oh, j'ai cultivé, j'ai appris à cultiver le bonheur. Et le bonheur n'est pas seulement dans avoir des étoiles dans les yeux. Le bonheur, c'est aussi une période de vie où est-ce qu'on a l'impression qu'on est en train de mourir dans une version de nous-mêmes. C'est aussi ça, être en vie. C'est aussi ça, la vie. Donc, pour moi aujourd'hui, la pleine conscience m'aide énormément à être en phase avec le vivant et permettre à la vie de passer à travers moi pour, pour me mettre à fleurir davantage. Donc, c'est un art de vivre qui, euh, qui s'applique dans tout, dans tes affaires, dans tes relations, dans ta guérison, dans, dans, dans tout ce qu'on a à, à, à faire, en fait. Très beau, encore une fois c'est ouais ça, ça a du sens en fait et du coup alors vite fait voilà ton ta transformation le regard des autres ouais. tes proches en enfin, fait ta famille tes proches tes moins proches est-ce qu'il y a eu des des, des, des des choses pas agréables à vivre agréables ouais. comment comment t'as vécu ça ouais. en fait quand j'ai fait ce changement là faut comprendre à, à ce moment là moi je le comprenais pas euh, je revenais d'un burn-out, mon travail, j'étais tanné, j'en avais plus de sens. J'avais plus de sens au petit niveau, donc, mais dans le grand plan, le sens, il est toujours. Hein? J'ai écrit un livre qui s'appelle ⁇ Tout est toujours parfait ⁇ Le sens, il est toujours. C'est juste qu'on ne perçoit pas le sens parce qu'on est... Il y a beaucoup d'enseignements que je pourrais partager, là, mais on, on est au petit niveau de conscience. Il faut s'élever pour venir saisir le sens. Le sens, il est toujours là. Euh, Ouais, en fait, j'ai vécu du rejet, je me suis senti trahi, je me suis senti abandonné, j'ai vu de l'injustice, j'aurais aimé mieux être supporté, j'ai été pointé, critiqué, rejeté. J'ai vécu tout ça, c'est ce que je devais vivre, mais à ce moment-là, j'étais dans mes blessures parce que j'aurais aimé être supporté par mon père, par ma mère qui me disent "On croit en toi, vas-y", mais eux, ils étaient dans leur insécurité, puis ils voulaient pas que leur enfant se trompe. Embarque dans une secte, euh, c'est épeurant de voir ton enfant avoir un travail, euh, on va dire en parenthèse, normal, hein, qu'on a plus tendance à voir, et de le voir s'intéresser à tout ce monde subtil de spiritualité, de psychologie, des... c'est insécurisant pour, pour des parents et, parce qu'on a toutes les croyances de sectaire, il ne faut pas que tu te fasses avoir l'insécurité. Et, et souvent quand on est dans notre, notre insécurité, mais on, on, on réagit avec nos schémas limitatifs. Et par, quand on fait ça, mais on ne se rend pas compte qu'on crée souffrance. Mais c'était parfait parce que moi, je devais expérimenter mes souffrances pour finir par tourner mon regard à l'intérieur de moi et reprendre mon, mon pouvoir. Et, euh, et, et aujourd'hui, je le comprends. Même aujourd'hui, il y a des gens qui me connaissent, qui ne me comprennent pas, qui ne comprennent pas mon langage. Il y a des gens qui vont écouter cette vidéo-là et qui vont dire je ne comprends rien de tout ce qu'il dit tu as, as reçu Daniel Blouin dernièrement, et Daniel, c'est un, un très bon ami à moi. Il me dit l'été passé, il dit J'écoutais tes enseignements avant, je ne comprenais rien de tout ce que tu disais. Aujourd'hui, ça fait tellement de sens, mais je ne comprenais rien. C'est normal, ça. Et, et en fait, quand ça vient nous déranger, c'est parce qu'on veut être vu, on veut être reconnu, on veut être aimé. On est en carence de paix à l'intérieur de nous, puis d'amour à l'intérieur de nous. Donc, tout ce que ça nous dit, c'est. Tourne ton regard vers toi, puis reviens à la source, à ce point d'immobilité où est-ce que tu es complet? Donc, que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, mes parents, mais il s'est passé exactement ce qui devait, qui devait se passer. Puis encore aujourd'hui, s'il y avait de la résistance, c'est parfait. Donc, la résistance nous invite à regarder en soi. Souvent, je vais dire à mes étudiants laisse-toi guider par la souffrance. Ne sois pas esclave de ta souffrance, victime de ta souffrance, mais laisse-toi guider par ta souffrance. Elle te permet d'aller voir en toi. Mais prends ta responsabilité et observe. Tu n'es pas souffrance. Tu es aussi souffrance. Tu es tout ça. Donc, je ne peux pas pointer quelque chose parce que tout a eu sa raison d'être en cours de route. J'ai eu ce que plusieurs vont, vont faire émerger. Qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je suis qui? Parce que j'ai eu ces modèles de Jack Canfield, de Carl Tolé, de Wayne Dyer, d'Anthony Robbins, de peu importe, j'ai eu plein de modèles au départ de, 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 de mon cheminement. Puis ça fait, mais t'es qui, toi, pour te mettre à enseigner hein, avec le chemin que tu as fait? J'étais un tondeur de pelouse à aménagement paysager. Je suis qui pour faire ça? Il a fallu que j'apprenne à mourir dans mes perceptions. Aujourd'hui, c'est clair, c'est une évidence, c'est facile pour moi. Mais à ce moment-là, je n'avais pas les connaissances, je n'avais pas la compréhension, je n'avais surtout pas la maîtrise et j'étais rempli de blessures. Donc, c'est aujourd'hui, je vais simplifier, c'est de mourir dans qui qu'on pense que nous sommes et de se réinventer dans une nouvelle version. Mais on ne peut pas se réinventer tant qu'on n'est pas prêt à mourir. Et pour être prêt à mourir, il faut être prêt à arrêter de vouloir contrôler les choses. Contrôler la vie, contrôler les perceptions des autres, contrôler les opinions des autres. Et c'est pour ça que l'amour, la bienveillance, la tolérance des opinions, des différences, le non-jugement est un must dans une transformation réussie. C'est un must. Un must. C'est un or, tout ça. C'est un, ouais. un or. C'est de l'or, c'est de l'or à ça. C'est de l'or OR, c'est un art ART, la plus grande forme d'art, hein. c'est l'art de vivre. Qui, qui, qui on cherche à cultiver pour la maîtriser, c'est probablement l'art le plus important qu'on doit apprendre à faire, cultiver la vie. On cultive le jardin, on veut cultiver nos finances, on veut. Oui, mais la vie, c'est la vie qu'on doit cultiver à l'intérieur de soi. Et, et, et pour apprendre à bien la cultiver, il faut faire plein d'erreurs pour se rendre compte les, les causes de notre malheur, les causes de, 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 euh, du manque, en fait. Pour connaître les causes de la prospérité, les causes de l'abondance. C'est laisser erreur. Alors, tu en as donné un petit peu, mais on va finir sur ça. Mais quel conseils tu pourrais donner aux personnes qui vont écouter Quelques, ouais, quelques conseils pour justement faire de sa vie un art. Oui. Premièrement, de partir de là, d'où est-ce que vous êtes en ce moment. Ce n'est pas votre personnalité. Ce n'est pas votre entreprise, ce n'est pas vos relations que vous avez besoin de, de, de cultiver, c'est votre Dharma, c'est le chemin devant votre âme. La, pour que votre âme puisse passer, s'exprimer, on a besoin de mourir dans nos perceptions. Alors la question à se poser, dans quel type de perception j'ai besoin de mourir? Une perception, c'est des opinions préconçues, c'est des croyances, une façon de voir la vie. C'est dans quel type de perception j'ai besoin de mourir. Il faut toujours penser que la vie, c'est ce que tu crois que c'est et tout son contraire. Alors, la question à te poser, c'est est-ce que mes pensées que je cultive au quotidien me permettent de réaliser mon plein potentiel? Sinon, on doit tourner notre regard vers soi, apaiser l'esprit, puis de se commencer à dire quelles pensées j'aurais besoin de cultiver hein, pour... Permettre à mon âme de prendre place à l'intérieur de moi. Et si je n'arrive pas à sentir cet âme-là, ce chi-là, mais se poser la question qu'est-ce que je devrais faire pour arriver à sentir ça Pas, pas pourquoi je ne le sens pas, mais plutôt ouvrir à ce monde de possibilités-là avec nos questions qu'est-ce que je pourrais faire pour arriver à ressentir davantage Et une des clés, c'est de créer l'espace. Créer l'espace en soi, dans notre tête, pour arriver à entendre ce qui est déjà là. Il ne manque rien. Nous sommes la plus belle merveille au monde et on n'a pas à parvenir, et on n'a pas à être intelligent comme quelqu'un d'autre qu'on voit sur YouTube et qui a l'air d'avoir tellement de connaissances. Non. Souvent, je vais dire des, des, des phrases qui sont impactantes. Mêle-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Laisse les autres vivre leur vie. Toi, cultive ta vie. Créer de la. Tu sais, comme un. Je ne sais pas si ça doit se dire comme ça en, en, en France aussi, le curling. Est-ce que vous savez c'est quoi le curling? Euh, moi, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y en a qui sauront. <laughs> ouais, c'est comme, comme une grosse pierre, en fait, qu'on balise. C'est un sport qui, olympique qui se passe sur la glace et qu'on oui. avec un balai pour faire avancer la pierre. Mais, mais notre job à ben, nous, c'est la même affaire. Nous, on s'occupe du balai pour faire avancer la vie devant nous. Et notre job, c'est de libérer l'espace afin que la vie puisse fleurir enlever les résistances. On est déjà complet, c'est ça notre job. Donc, être vigilant et de se mêler de ses affaires et de s'occuper du souffle de vie, du chi à l'intérieur de nous, c'est le must. S'assurer d'avoir des étoiles dans les yeux, un sourire dans le visage et un cœur qui a envie d'être grand ouvert, c'est la clé finalement. Alors, merci François. C'était les conseils pour terminer. Merci d'avoir pris ce temps de nous inspirer. Vraiment, c'était un bonheur. Euh, et pour moi c'est qui te suit depuis quelques, beaucoup de temps quelques temps ça fait 2-3 ans je sais plus je vais pas compter mais voilà okay. euh, on mettra tous les liens de françois euh, en dessous euh, nous on se retrouve très très vite pour un prochain oui c'est possible pour une prochaine inspiration moi je vous souhaite une belle journée à très très bientôt salut françois bye bye